Bonjour tout le monde, je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. J'espère que celle-ci vous apportera joie, bonheur, santé, beaucoup de santé. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Moi en tout cas, c'était le cas. J'étais super ravie d'avoir mes enfants avec moi. Et voilà, tout s'est très bien passé. J'ai un petit courrier, enfin j'ai deux petits courriers à vous faire voir que j'ai reçus, un dans la semaine, mais bon, pas possible de l'ouvrir, jamais trop de monde. Et un que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai préouvert mes enveloppes et je vais vous les présenter. Donc celui-ci, il nous vient des Passions de Clos. Ouh, c'est joli ça. Ah, c'est tombé. Mais c'est pas grave, hein. Je vais la remettre pour la présenter. Hop. Ah, c'est beau. C'est une jolie carte, une très jolie carte de Claude. Regardez comme elle est jolie. Elle nous a fait ça sur un fond de papier noir avec tout plein d'étoiles. Ah, toutes des petites étoiles brillantes comme ceci. Un joli petit flocon en bois. Une petite bande ici de masking tape. Un peu couleur métallique. Là, c'est une super bonne idée. J'ai un chat dans la gorge. Un joli pendentif comme ceci, je pense que c'est elle qui l'a fait, hein. Apparemment oui, je pense, hein. Avec un petit popon et des petites perles, je sais pas si vous voyez bien, oui certainement, hein. Et donc c'est super beau. Ah oui, l'idée est très très bonne. Là, ça fait un moment que je ne suis pas allée sur YouTube, donc j'ai même pas vu ce qui s'était passé pendant presque une semaine, je pense, hein. Donc je vais ouvrir avec vous. Alors, elle a mis son petit mot là. Donc, la petite ATC qui était tombée. La petite ATC était là, dans cette petite pochette. C'est une très très bonne idée. Super bonne idée. Donc, la petite ATC qui est un peu coordonnée et même beaucoup coordonnée avec la carte. Hein. C'est super joli comment elle a fait ça. C'est une découpe. Alors, ça doit être une découpe de dies. Dans le papier, vous voyez, alors entre les deux, elle a mis un papier brillant, elle a mis sa découpe par-dessus, donc vous voyez, ça ressort là, c'est super joli. Je sais pas si vous allez bien le voir, regardez, c'est joli, hein? Ça brille de partout en plus. Et là, donc son rappel de flocon comme sur la carte, c'est super joli. C'est la 1 sur 4 et c'est fête et paillettes. Regardez comme c'est beau. Ça brille de partout. Et la carte, c'est pareil. Vous voyez? Ça brille de partout. Voilà. Et bien écoute, Claude, je te remercie du fond du cœur. Je vais lire ton petit mot après. Mais je te remercie du fond du cœur. C'est super, super gentil. Ensuite, donc ici, voilà. Donc celle-ci nous vient de Bibi25. Je vous la présente plus, je crois que tout le monde la connaît. Donc elle nous a fait. Oh, c'est joli aussi ça. Ah, une autre carte en 3D. Oh, elle est super jolie. Regardez. Avec un petit renard, un petit sentiment, les petites guirlandes, les petites étoiles, sur un fond de papier, comment je vais dire. Pas flocon, hein, mais il est super joli sur fond de papier. En fait, c'est collé sur un papier comme ceci. Voilà. Donc là, elle a mis le rappel de la carte de devant. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Oh, c'est super joli. Regardez. Elle est super jolie, cette carte. Donc, je lirai aussi son petit mot. Voilà. Leur petit mot après, parce qu'elles m'ont mis des petites tartines, comme on dit. Et du coup, je prends le temps gentiment de les lire. Hein. Je l'adore. Donc, je les remercie du fond du cœur. Hein. C'est super sympa. Moi, là, je vais entamer mes cartes de Nouvel An. Voilà. Alors, les cartes de Noël, j'en ai envoyé quelques-unes, mais je ne sais pas quand est-ce que vous allez les recevoir, parce que la poste est en grève.
Voilà, nous, on n'a pas été prévenu, mais bon, la poste en grève. Donc, mesdames, vous inquiétez pas, hein, vous recevrez vos cartes de Noël, mais je me demande même si j'aurais pas dû plutôt envoyer des cartes de Nouvel An à la place des cartes de Noël. Si vous les recevez pas, peut-être l'année prochaine. Alors, ça me fait rire, oui et non. Parce que je me dis qu'après tout, c'est un peu dommage, quoi, de ne pas avoir son courrier à temps pour quand c'est des fêtes comme ceci. Enfin bref, c'est pas trop grave. Je vais vous faire voir quelque chose que j'ai eu à ma fille. Alors, je suis ravie. Elle m'a trouvé cette jolie trousse gorgeous. Regardez comment elle est jolie. Elle est magnifique, juste magnifique. Ça, c'est un cadeau de ma fille. Il y a un intérieur. Elle m'a mis plein de chocolat. Voilà, comme ça, je vais encore prendre des kilos. Donc voilà, ça c'est la jolie trousse que j'ai ma fille. Bon, j'ai pas eu que ça, hein, mais bon, ça fait partie un peu du scrap, donc je vous le fais voir. Celle-ci, elle me l'avait offert l'année dernière. Et ce qu'elle m'a offert aussi avec cette trousse, je vais vous montrer. Je vais vous faire voir. De jolis stylos gorgeous. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont super jolis. Ils sont magnifiques. Pour celles qui aiment les gorgeous, voilà. Trois petits stylos, je vais les mettre comme ça. Non, là on voit rien. Vous voyez, c'est super joli, c'est une superbe attention. Ils sont magnifiques. Alors, je sais qu'Audrey, bon, c'est pas ton truc, hein, mais bon, voilà. Moi, ma fille, elle sait que j'aime quand même ces choses-là, donc. J'adore parce que ça fait en même fête et arlequin en même temps. Voilà, enfin bref, j'étais surtout venue vous faire le courrier. Donc voilà, je remercie encore mille fois Passion de Clos, Bibib25 pour leur jolie carte. Et puis je vais y mettre aussi. Hein. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et je vous renouvelle encore mes voeux pour l'année 2020. Que tout le monde soit heureux. Et aussi que tout le monde fasse de jolis tutos. On adore regarder les tutos des copains et des copinettes. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!